Et salut tout le monde, ici Sportjoe Gamer, je fais encore une vidéo. Et je suis sur Brawlhalla et je suis avec. On va voir le pseudo. Coco. Tu m'invites, monsieur. Voilà. Vas-y, rejoins-moi, je t'invite. Voilà. Je vais vous expliquer le concept de Brawlhalla. Vous allez dire que c'est un jeu de, bébé. Mais il est cool quand même. De bambi. De bébé. Mais non, c'est pas un jeu de bébé. Si vous voulez, ça concepte un attends, je vois. Hop, le magasin. Si vous voulez, ça concepte d'un jeu qu'il faut faire tomber. Vous connaissez Stickman? C'est un jeu qu'il faut faire tomber les personnes ou les tuer. Mais là, lui, il faut les faire tomber le plus. Bah, il faut tomber. Il faut les faire tomber. Et pendant la game, je vais vous expliquer ce qu'il y a. Il y a de nombreux personnages, il y a des personnages plus bas niveau, par exemple, ça c'est même plus démontré, plus haut niveau après. Là tu peux acheter des petits trucs, des petits... ouais mais il faut aussi de l'argent, vous voyez. Là, mais c'est un petit jeu gratuit, hein, il est bien. Dusk, c'est un nouveau perso. Que j'ai acheté juste avant. Juste hier. Je vais vous montrer. Cassidy, c'est un perso normal. Orion aussi, Queen Nye aussi, Scarlett non je crois pas, Skull c'est aussi un perso du début. Bodvar c'est un perso du début mais là il est bloqué vu qu'il y a trop de personnes. Bon, je vais vous montrer. Ça c'est mon perso, ça c'est mon main, ça c'est mon deuxième main. Ça, c'est mon premier main que j'ai eu. Regardez, j'ai une couleur personnalisée. Ah bah coucou aussi là. Lui, Rayman, qui a eu il y a pas longtemps. Et maintenant, le nouveau perso. Mais j'ai joué avec mes mains. Commence par lui. Merde. Non, c'est pas. Let's go. Vous voyez en haut à droite la petite vie qu'il y a. Vas-y Coco, explique un peu parce que si c'est que moi qui explique, c'est pas trop. Il a bégayé à la fin. Carré et rond c'est ce c'est pour taper et donner, et rond c'est pour donner des attaques supérieures. Viens là, je te protège, viens. Moi j'avoue l'elf là elle va nous défoncer. Donc c'est une spameuse hein, ça se voit. Si on se fait des attaques supérieures à des autres, c'est à dire qu'on spam. Bonjour. Il vient de me niquer une vie. Et on a 3 vies dans ce mode de jeu. Il y a plusieurs modes de jeu. Mais on fait des modes de jeu à deux, donc il y a peu. Ça fait combien de temps que je joue plus Van. Et il y a, bah à chaque fois que vous faites une game vous gagnez de l'argent, donc à chaque fois vous pouvez. Mec c'est quoi ce spam? Regarde, spam trop. Bon les gens, on est en train de perdre hein. Malheureusement. J'ai eu des spams de carrière, hein. Je te jure, hein, ils vont souffrir.
Let's go, les gens. Je traite pas avant. Je voulais juste pas parler. Et vous voyez, les gens, à chaque fois, mon perso il devient plus rouge. Donc, à chaque fois, j'ai mon dit. Ah! Coco, t'es obligé de tuer, toi. Lâche-moi, il est plus loin. Il va venir me tuer, moi. Il va venir me tuer, moi. T'es sérieux? Coco! Pourquoi tu m'as donné le coup avant? Fuck. Et après, vous devenez spectateur. Let's go. Coco, tu peux aller. Bah, les gens, en fait, le jeu, c'est le but de faire tomber la personne qui. Votre ennemi, en fait. Mais le mec, il est chaud. Hein. Mais c'est aussi, hein, c'est pas mal. Hein. On est un peu d'accord. Hein. Il faudrait acheter le lutin, on va voir ce que c'est. On va perdre la première game. On se gale. Lance. Là, tu peux la lancer. Non. Les gars, maintenant il va faire l'attaque. Il va faire l'attaque. Je t'ai remercié. Bah, j'ai quand même, hein. On va pas dire non. Bah non. On va changer de perso, de toute façon j'étais pas chaud avec ça. Let's go. Après je vais prendre... Après je vais vous montrer un perso que je suis ultra fort avec. C'est ce perso là qui était en face de nous. Ouf. Vous voyez le truc jaune du perso en, bah, de l'alien. Bah ça veut dire que c'est un niveau diamant et qu'il achète beaucoup de choses sur ce jeu. Bon tu sais quoi, on spam. Comme c'est gros connard, regarde, il spam. Hein. Il spam à mort. Hein. Je sais pas pourquoi ils sont. Il est niveau diamant ce gars. Même qu'il est hyper nul. Comparé à moi avant. Hein. T'as fait un bite que je connais ce jeu. Non. T'es nul. Sérieux? Quoi? Quoi? Gros. N'abuse pas. Putain, d'où j'arrive pas à dévier les attaques qu'il fait. Putain! Gros! D'où il me fout toutes ces attaques? Mec! Gros! J'ai fermé un peu sa gueule, tu vois. Arrête! Fixe-toi un, hein, et moi je m'en fixe un autre. Blink. Gros! Voilà. Gros! Gros, fais chier. GG.
Mais en tout cas la mienne il était pire que lui, non? Bon. Let's go. Là ce petit lobby les gens. Ouf. 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 3, 2, 1, brawl. Bon, arrête de me l'attaquer toi. Go. Oh, il compte trop. Go. Il est fort l'autre là. Quoi? J'arrive pas à foutre mes attaques gros. Gros, viens m'aider. Gros, viens m'aider. Gros, viens m'aider, j'arrive pas à foutre mes attaques. Sur lui, j'arrive pas à lui foutre. Garde! J'ai foutu aucun dégât. Je lance ma grenade, elle est ravaillée. T'as vu qu'il est cheaté? Moi, tu sais quoi? Mais what? D'où il t'a pris dans son attaque? Mais en fait, dis merci à la au tigre. Largement. Pourquoi il a des petits problèmes de co, tu vois? Oh, fais pas chier. Yes. Bon les gars, on est vraiment nuls aujourd'hui hein, sincèrement. Tu veux pas changer de main après Coco? Tu veux pas changer de perso après? Ouais. Easy.
Bon, les gars, maintenant je vais jouer vraiment mon main. Let's go. Dusk, let's go. Ouf, oh non, encore Scarlett. Bon, les gens, les personnages cheatés, c'est des gros. C'est vraiment des personnages cheatés. Hein. Les mecs qu'on a tous rencontrés, c'est des personnages cheatés, vous voyez. Donc c'est chiant ici. T'es d'accord, Coco? Je connais pas, on a joué tel. Tu sais qu'on a joué 30 000 fois contre Scarlett. Hein. Je vais pas te dire. Oh. Quoi? Tu me prends des dans tes attaques, ça. Hein. Je suis parti en cacahuète, sa mère. On entend son père derrière. Mais gros! Je prends un truc. Je me fais une petite directe. Vas-y, je comprends. Mais Coco, après on dit que c'est moi qui le kill, hein. T'es à tous les coups, t'es mort, je me mets les couilles. Attends, mec, tu meurs. Ce serait bien que tu meurs. Sincèrement, tu mériterais. Sincèrement, tu mériterais perdre. Elle a toujours pas remarqué que tu faisais tout le temps la même attaque. Bon, les gens, Coco, il va aller pendant 2 minutes là-bas, hein, vu que ses parents l'appellent. Donc, on va terminer la vidéo par là. Et je vous adore. Ciao! Laissez le pouce bleu. Non, oubliez. Oubliez ce que je viens de dire. Laissez le like, abonnez-vous. Laissez le like, abonnez-vous. Laissez la clochette activée pour savoir les notifs. Peace!